William over here. Yeah. It was kind of a weird stoppage. Did you believe the kick landed above the belt? Rare stoppage. What is a rare stoppage? A weird. C'était un peu une finition bizarre. It's que not rare because for me it's just a middle kick, and we can see that in the movie. No, for me it's just stoppage. I'm not referee, but if referee say it's stoppage, it's stoppage. Did you believe it landed above the belt? C'était au-dessus de la ceinture? Yeah. And that fight, you know, it was a tough fight. You know, both it was back and forth. If that fight had gone to the cards, how confident were you that you would come away with it? Comment dis-je, j'étais en avance tout simplement sur le combat déjà pour moi. He says that he was ahead on the card going forward. Yeah. La question, c'était assez serré, ça allait en avant, en arrière. Mais si tu penses que pour si ça allait à la décision, que tu gagnais facilement. Yeah, for me, I have two rounds and I will win. Great, thank you. William, félicitations. Merci. Je t'avoue, on était un peu ici avec Morgan, le son coupé. On a vu beaucoup d'émotions dans l'octogone à la fin. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu as dit? Parce qu'on n'avait pas le son et tout, et oui. Les sentiments. Pour moi, c'était un combat important. Parce qu'il y a mon oncle qui est juste ici, qui a enterré son père hier et qui est aujourd'hui avec moi. Donc pour moi, c'était important d'avoir cette victoire pour pouvoir lui dédier. Donc ça me tenait à cœur. Donc c'est ce que j'ai dit au micro. Et tu étais déjà sur l'UFC Paris l'année dernière. On se souvient de ta sortie sur les soumissions où tu as dit que tu taperais jamais. Oui. Là, il y a eu une ambiance aussi folle. Tu as préféré l'UFC Paris 1 ou le 2 ? J'ai aimé, dans tous les cas, j'aime tous les UFC. Donc celui-ci, à la fin, me laisse un peu un goût amer, puisqu'il y en a qui peuvent douter de cette victoire, alors pourtant, pour moi, elle est claire. Donc pour moi, je gagne les deux premiers rounds, même si c'était pas, ça brûlait pas, enfin, ça sautait pas aux yeux, mais je gagnais les deux premiers rounds. On peut voir que mon adversaire a mal à la cuisse à la fin du premier round. Donc pour moi, c'était vraiment une victoire assurée. Soit je l'aurais eu par épuisement sur le troisième round avec sa cuisse avant, soit je l'aurais eu au point ou par d'une autre manière, puisqu'il n'arrivait pas à m'amener au sol. Et dernière question pour moi. Donc tu as affronté Yanis. Comment tu as vécu ce changement d'adversaire en début de semaine? C'était assez bizarre parce que, comme j'ai dit, je préférais avoir un étranger. Yanis, je le connais. On a déjà fait un sparring avant ça. C'est pas mon super pote, mais ça reste quelqu'un que j'aime bien. Donc pour moi, c'était dommage. Après, c'est le jeu. On fait tout simplement notre boulot. Et là, il sera sûrement pas d'accord avec cette victoire. Pour moi, ce coup était calculé. Je savais que j'allais envoyer le middle kick au deuxième round. Donc pour moi, il allait passer et ça allait être terminé. C'est ce qui s'est passé. Malheureusement, voilà, il y a cette fin assez compliquée pour certains. Merci et encore félicitations. Merci. Bonsoir William. Yes. Question simple, on sait très bien, malheureusement, la décision va faire débat dans les prochains jours, ouais. Même si tu n'es pas d'accord avec le débat. Ouais. Ma question, elle est simple. Quelle est la suite pour toi? Est-ce qu'une revanche pourrait t'intéresser, premièrement? Et surtout, qu'est-ce que tu vises? Et est-ce que c'est bientôt le top 15? Alors, je vise le top 15, bien sûr. Je vise le top 15, comme tout le monde dans ma catégorie. Maintenant, la question est c'est quoi exactement? Est-ce qu'une revanche pourrait t'intéresser par rapport à la décision? Ouais, c'est ça. Une revanche pourrait m'intéresser? Pas forcément, ça ne m'intéresse pas, parce que la catégorie Fizaro, elle est énorme. Donc, si je peux prendre quelqu'un d'autre et continuer d'avancer, et surtout avoir un étranger, je prends, tu vois. Maintenant, si l'UFC décide de faire une revanche, bien sûr que je suis preneur aussi. Après, je sais qu'il veut retourner en 61, donc voilà. Merci à toi. Ouais, William, félicitations pour la victoire. Merci. Je voulais savoir, tu peux nous décrire un peu comment tu t'es senti durant le combat, comment ça s'est passé? Je me suis senti super bien. Franchement, je me suis senti même détendu. Je voyais que quand j'accélérais un petit peu en anglaise, des fois ça touchait, des fois ça touchait pas, mais je voyais que c'était assez bien. Je vois que je l'ai touché sur la jambe avant avec mes low kicks, alors qu'on pensait que c'était son arme à lui, les low kicks, mais c'est lui qui a eu la jambe fatiguée en premier, donc j'étais assez content. Et je savais tout simplement que j'allais mettre le middle à l'arrière au deuxième round. Pour ceux qui me connaissent, c'est vraiment mon arme préférée, et elle est passée, voilà. Alors il y a Morgan Charrière qui a fait une victoire avant la limite aussi, sur un kick. Je pense qu'il est plus beau que le tien, mais bon, est-ce que tu te dis que peut-être tu pourrais avoir un petit bonus de 50 000 ? Non, pas forcément. Lui, son finish était beaucoup... Enfin, il était très, très bien. J'ai vraiment préféré son finish au mien. Mais je ne sais même pas si c'est nous qui allons avoir le bonus. Pour moi, c'est plus les genres de KO, high kick et tout ça qui font le bonus. Mais pourquoi pas, ouais. C'était vraiment un beau KO qu'il a fait.
Alors du coup, ça fait maintenant un an hein, que tu es parti au MMA Factory. Qu'est-ce que tu en penses? Bon choix? Très bon choix. Regarde-moi. Je suis là aujourd'hui et je gagne. J'ai 3-0 à l'UFC, donc oui, bon choix. Merci, Gomis. Merci. Salut, William. Salut. Tu me le dis toi-même, tu es à 3-0. On en avait déjà parlé. Tu voulais ce finish. C'est quoi la suite maintenant? Quelles vont être tes attentes? Qu'est-ce que tu vas demander à l'UFC? Pour l'instant, je ne vais rien leur demander. Je vais encore avoir une victoire. J'espère faire encore un KO sur mon quatrième combat. Et ensuite, là, je pourrais demander des choses. Est-ce que tu es content de la manière dont ça s'est terminé? Je suis content parce que c'est ce que je visais vraiment. Je me suis dit qu'au deuxième round, j'allais envoyer mon middle, qui est mon arme préférée, et c'est passé. Donc, je suis super content. Maintenant, j'aurais dû... en fait, après avoir mis le middle, je suis assez gentil, donc après avoir mis le middle et je l'ai vu se baisser, j'aurais dû l'enchaîner avec les poings alors que je savais que c'était au ventre qu'il avait mal. Est-ce que tu as essayé un peu de le bercer? Juste dernière question. En fait, j'ai pensé à l'instant... Morgan, il vient de s'imposer, toi tu t'es imposé, bon t'as 3-0, t'as 2-0 à l'UFC il me semble, c'est ça? J'ai 3-0 à l'UFC. 3-0 à l'UFC, encore mieux. Imaginons dans un futur un peu proche, s'il enchaîne les victoires, est-ce que tu serais ravi de le retrouver? Pourquoi pas, on m'a déjà posé la question il y a quelques jours, on a d'abord justement déformé ma réponse. Donc oui, ma réponse c'est que si je monte dans le top 15 dans l'avenir, si je monte et que lui aussi monte et qu'on doit se retrouver au sommet, on se retrouvera au sommet. Comme j'ai dit, je préfère combattre des étrangers, mais si ça doit arriver, ça arrivera. Mais ça ne me tient pas à cœur. Mais c'est comme ça. Merci. Merci à vous.